Allons-y maintenant avec un exemple du calcul d'aire. On nous demande de calculer l'aire totale de cette sphère. Donc, la sphère est représentée ici. On a vu précédemment la formule. Donc, l'aire totale de ma sphère, 4 fois pi fois le rayon au carré. Donc, l'aire totale, 4 fois pi fois... Donc, le rayon, c'est ce qui part du centre pour aller toucher à la surface. Donc, de ici à ici. Donc, présentement, ce qu'on a, le 10 mm, c'est le diamètre. Donc, ça ici, c'est le diamètre. Donc, ce qui implique que mon rayon vaut 5 mm. Alors, l'aire totale sera 4 fois pi fois 5 au carré. Donc, 4 fois pi fois 25. Donc, mon aire totale, 4 fois pi fois 25, 314,16, donc environ 314,16 millimètres, puisque ma mesure est en millimètres par habitude, donc millimètres carré. Donc ici, bien repérer le rayon pour pouvoir appliquer notre formule.